Yo, salut à tous, c'est NFG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la dernière mise à jour de voiture qu'il y a eu. On parle donc de la Honda Civic Type R R3 et son nouveau F-Mode. Comme vous avez pu le voir du coup sur le replay de début de vidéo, ça a grandement changé. On n'a plus le bruit qui pétarade de base de Richard Burn Rally. Non, là on a un vrai bruit de voiture, enfin un vrai bruit de voiture, un peu plus cohérent on va dire par rapport à la réalité. Donc cette voiture, du coup, elle date de 2007. On a 260 km/h avec une boîte 6 en séquentiel et c'est une traction. Donc on a tout sur les roues avant. Donc c'est assez sympa à conduire, clairement. Là, on est sur quelque chose d'au-dessus par rapport au R2, du coup. En termes de sensation, de puissance, tenue de route et tout, clairement, c'est pas la même chose. Pour le poids d'ailleurs, je sais pas, les R3, est-ce qu'elles sont plus légères que les R2? On va voir ça de suite en comparaison avec la Adam. Ouais, les R3 sont plus légères en plus que les R2. Enfin, en tout cas, la Honda est plus légère que l'Opel Adam. Donc c'est vraiment une voiture très très intéressante à jouer. Même la catégorie en soi est très intéressante. J'avais déjà essayé cette voiture avant que le F-Mode sorte du coup. Et franchement, je m'étais déjà régalé. Mais gros défaut, voilà, le bruit de base de Richard Burn Rally, ça éclate les oreilles, c'est horrible. Moi, je peux clairement pas jouer sans le F-Mode. Je peux, mais voilà, t'as la tête en chou-fleur après ta session, c'est un truc de fou. Donc non, là, clairement, c'est hyper agréable. Et surtout que le son F-Mode intérieur, comme vous allez le voir quand je vous laisserai le gameplay quand j'ai roulé, il est plutôt bien fait, le son intérieur. Je le répète encore à chaque fois, c'est perfectible. On est sur des F-Mode, donc c'est des bruits modés. On n'est pas sur des trucs qui représentent parfaitement la réalité, mais franchement, c'est très correct. Et pour la vue extérieure, c'est un peu moins bien, mais pareil, c'est toujours agréable à regarder, même en vue extérieure. Donc, je vous recommande vraiment de tester cette voiture. Comme je vous ai dit, on est un cran au-dessus par rapport au R2. Donc, en termes de sensation, ça n'a rien à voir. Ça tracte beaucoup mieux. En termes de tenue de route, c'est beaucoup mieux. C'est plus léger. Ben voilà, c'est une R2 en mieux. Voilà. C'est pas la catégorie la plus réputée. Les R2 ont un peu plus, on va dire, de popularité. Mais franchement, c'est une catégorie très très cool à conduire. Et très agréable à se faire la main. On est quand même sur des voitures à presque 300 chevaux. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans une petite catégorie sur un championnat RBR Pro, cette voiture est vraiment faite pour vous. Franchement, essayez-la. Vous allez voir, c'est vraiment une très très bonne voiture. Voilà, je vais vous laisser du coup avec le replay de mon passage avec la vue, on va dire, où on me voit piloter sur le châssis. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, oublie pas de liker, partager, t'abonner, tout ça, et moi je te dis à la prochaine. Ciao les gars! 3, 2, 1, go. 50 mètres, droite 4, 130 mètres. Droite 4, ferme, dans gauche 5, 200 mètres. Ciel, dans droite 1. Dans épingle gauche. Dans droite 5, à vue, allez. Attention, équerre gauche, attention, 50 mètres, reste au milieu, pas corde, 50 mètres, deux fois, 120 mètres, équerre droite. Attention, ciel, sur droite 5. 130 mètres. Équerre droite. Dans droite 5, long. Sur gauche 3, à corde. Dans droite 5, long. Gauche 5, pas corde.
sur équerre droite à corde. 60 mètres, droite 5. Dans gauche 5, long. Et 3, gauche 4, 160 mètres. Ciel, 60 mètres, gauche 5. Et droite 5. Attention, étroit, gauche 4, ouvre, dans gauche 5, long. Mètres, gauche 1, pas corde, 70 mètres, droite 3, pas corde, 150 mètres, droite 4, pas corde, 80 mètres, gauche 5, long, gauche 5, pas corde, attention, pas corde, 60 mètres, droite 1, dans gauche 1, pas corde, 140 mètres. Gauche 3, pas corde, 230 mètres. Droite 4, pas corde, 140 mètres. Gauche 3, pas corde, 130 mètres. Chicane, équerre droite, 100 mètres. Arrivée.